bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de God of War et nous en sommes à l'épisode 20. Je sais que vous attendez cet épisode depuis quelques jours. Il y a eu un épisode au minimum tous les deux jours depuis le début de la série. Là il a fallu 5 jours, c'était le moment de transition, Far Cry étant terminé. Maintenant il devrait pas y avoir de soucis, un épisode tous les deux jours si tout va bien. Et puis au pire les gars, entre nous, je fais ce que je veux, hein, y a pas de souci. Voilà, on s'en fout. Je ne dois rien à personne, comme on dit, dans le milieu. Et puis je sais que si vous partez, vous pouvez partir. Allez, vous spoiler, je vais vous manquer, les gars. Vous m'aimez trop, je vous aime trop. Il y a trop de liens, vous voyez ce que je veux dire. Donc allez ailleurs, vous verrez, vous reviendrez. C'est pas un problème. Le temps, frère. Retournons vite à Midgard avec le cœur. On arrête donc de prendre la grosse tête et on est parti pour la suite de nos aventures. Ça y est, le royaume des morts, les gars, on l'a poutré comme Jaja. Il est temps d'aller apporter le remède au gamin pour qu'il puisse s'en sortir. Parce que là, j'ai envie de vous dire, Miskin à lui, Asgard, c'est par ici. Hein. Allez, on est parti. De retour à Midgard. Je comprends mieux maintenant. Je me balance accroché à la hanche du fantôme de Sparte. Ne m'appelle pas comme ça. Détrompe-toi, frère. D'après ce que j'ai entendu, le Panthéon l'avait bien mérité. Mais je dois encore me faire à l'idée. Je sais que tu es les dieux, mais tu n'arrives pas à les éviter, on dirait. Je t'interdis d'en parler au garçon. Il ne doit pas savoir. Sauf mon respect, c'est une grave erreur. Il faut qu'il sache. Il ne pourra jamais s'épanouir s'il ne connaît pas la vérité. Écoute, je comprends. Tu es les dieux. Tous les dieux. Et cette haine s'applique même à toi. Mais elle est aussi dirigée contre ton fils, tu ne le vois pas. Et il le sent. Il ne peut pas lutter contre sa nature. Mais il ne pourra pas non plus la comprendre tant que tu ne lui auras pas dit. Tout est lié. Tu ne lui diras rien. Très bien. Bah là, sur le coup, je ne peux être que d'accord. C'est-à-dire que Kratos fait un peu sa tête de mule, il doit lui dire. C'est ce qui entraîne sa maladie, on n'a pas que ça à faire que traverser 12 000 royaumes à chaque fois pour sortir de là. Les royaumes, je l'ai amélioré, à moins que je l'ai cassé. Je suis pas sûr. On en a besoin. Je sais, c'est pour ça que j'ai pris quelques rafales de ces vents de hell et que je l'ai rendu bidirectionnel. Tu peux l'emprunter dans les deux sens maintenant, s'il n'est pas cassé. Dans ce cas, il peut nous mener chez Freya. Excellente idée, frère. Et ben voilà, il va pouvoir normalement. Justement à faire, mais ça devrait marcher. Vas-y, frère. Nous mener directement chez Freya, et ça, c'est plutôt cool. Donc, pour aller chez Freya, niveau supérieur de la grotte de la sorcière, c'est pas ici. On est parti. Ça, c'est un sacré raccourci. Je sais pas si on va avoir des conversations à l'intérieur, ça serait cool. J'aime bien vraiment comment ils ont camouflé les temps de chasse. Eh bien, on peut dire que vous savez voyager, mes amis. Ah, c'est tout ce que t'avais à me dire. Très bien. Et il doit prendre... il doit avoir mal au crâne, là, à force de se faire trimballer comme ça. Ça doit être assez terrible pour lui, le pauvre. Je sais même pas si on peut... Je crois que c'est sans fin, en fait. On tourne en boucle, et il faut attendre que la porte apparaisse devant nous. Il me semble... Ah, quoi qu'il y a des marches, il n'y a pas de marche tout à l'heure. On dirait un semi sans fin. C'est incroyable, je trouve. C'est vraiment super stylé, ce temps de chargement déguisé, où en plus, ils peuvent y mettre... Rajouter un dialogue pour le background de l'histoire. Ça y est, la porte est apparue. Juste où? Il est temps d'aller retrouver notre gamin. Qui le pauvre! Ce n'est pas encore ça, mais on s'en approche. Il nous a dit qu'il y avait des ajustements à faire. On doit faire vite. D'accord, d'accord, on a un vent ici. Quoi? Très bien, d'accord, j'étais pourtant sûr qu'on avait un vent ici. On va passer par ici. Bah alors attendez, attendez. Ah, on a un vent, d'accord, le vent est là-haut. Je vais pouvoir le mettre, mais alors à quoi ça sert? Bougez pas, je suis intrigué. Une nouvelle énigme, ça y est. Le vent est là. Oui, on l'avait trouvé il y a longtemps d'ailleurs. Ok, on va l'amener là-bas. Attendez, je suis perdu. Aucun souci. Ensuite, on avait un autre vent à ramener quelque part. C'était là et c'était là. Voilà, ok. Je l'ai. Bon. On va récupérer le vent. On va essayer de l'amener en bas. Parce qu'enfin, on va pouvoir aller de l'autre côté. Et Dieu sait que ça aura demandé pas mal de temps, en vrai. J'aurais peut-être pas le temps avec ces conneries ici. Oh, si, on est large. On est méga large. On est méga large. Par contre, à quoi ça sert maintenant? Aucune fichue idée.
Faudrait que j'aille de l'autre côté, parce qu'on peut faire les racines. Ok, on avance hein, petit à petit, hein, vous inquiétez pas. On va passer par ici, donc, pour aller de l'autre côté. Ensuite, c'est là-haut. On avance. Je sais pas du tout ce qu'il peut y avoir. Quoi? Oh non, t'abuses! Oh, le cheat, les gars! Sérieux, les mecs! Entre-temps, il y a de la sève qui a poussé. Hein. On n'était pas au courant, les gars. Nickel, comment perdre du temps, les gars? Bien joué. Bien joué, il faut que j'ai le gamin. Putain, j'y croyais dur comme fer. J'étais un monstre, là. Là, j'étais parti dans une enquête incroyable, tu vois. J'étais parti en enquête exclusive. Mais ça presse, c'est normal, c'est mon gamin. Faut quand même s'en occuper. Le cœur. Tu as réussi. Oui. Avec le dos de ta main. Il est toujours malade. Je peux stopper la fièvre. Mais pour qu'il guérisse... Il doit connaître sa vraie nature. Oui. Ce n'est pas aussi simple. Aide-moi à le relever. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'ai un fils, moi aussi? Ça fait une éternité que je ne l'ai pas revu. À sa naissance, les runes lui prédirent une mort absurde. Cet enfant dans mes bras paraissait si petit et si fragile. J'ai su dès lors que je ferais n'importe quoi pour le protéger, quel qu'en serait le prix. Mais évidemment, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. J'ai laissé mes besoins et mes peurs passer avant son bien-être. Et ce n'est que bien trop tard que j'ai compris sa rancœur. Ne commets pas la même erreur. Accorde-lui ta confiance. Je sais que la vérité te pèse. Mais rien n'est simple quand il s'agit de nos enfants. Il est maudit. Mon enfant est maudit. Ne pars pas sans moi. C'est promis. Je vais mieux maintenant. Je vois ça. Il est assez fort pour voyager. Pour l'instant. Ça n'arrivera plus. Je te le promets. Nous y veillerons ensemble. Terminé. Freya, la maladie. Je n'oublierai pas ce que tu as fait. Ok. Merci. Ton père a fait le plus dur. Tu devrais rester ici pour te reposer. Tu en as fait assez. Vous savez que ma porte vous est toujours ouverte. Je me demandais... Pourquoi est-ce que vous vivez sous une tortue? C'était mon tout premier ami à Midgard. Il m'a offert un toit, et en échange, je lui ai offert ma protection contre les esprits maléfiques de la forêt. Un sanglier doré, une tortue géante, vous avez des amis très intéressants. Vous avez vu, la Kratos dit rien. Il laisse son fils aller... Très 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 intéressant cette cinématique. Et clairement, Freya, c'est un peu ma sorcière sûre maintenant. Bien. Avant la grossière interruption de Maudit,
on s'apprêtait à explorer le tombeau de Tyr. Oui, pour trouver la rune noire. Atreus, tu sais où il faut aller ? Je sais pas. Mais si, voyons. Il nous faut un bateau. Je sais pas. Il nous faut un bateau. Parfait. What? Il est bizarre, là, non ? Vous trouvez pas ? Il est un petit peu... pas comme d'habitude, si vous voyez ce que je veux dire ? Je le trouve super étrange. Il fait limite peur. Ok. Bon, on avait un vent. On avait mon fils avec son arc. Si je fais ça... C'est bon. Il a gardé les bonnes habitudes, quand même. Là, il fait un petit peu peur, là, je vous avoue. On avait une pierre rouge, aussi. Je sais plus du tout où elle était. Et quoi qu'il arrive, vu que je dois aller de l'autre côté... Ah, elle était derrière. Yes. Ok, on est parti. On va enfin voir ce que cela fait. Ça, c'est beau, ça. Bien joué, mon fils. Ça fait plaisir de te retrouver. C'est bizarre la conversation, quand même, qu'il a eu, non ? Ouais, mais attendez. Oui, mais non, comme on dit dans le milieu. Déjà là, normalement, si tout va bien. Je pensais pas qu'on pouvait passer à travers ces ronces de haine. Ok. On va prendre ceci. Ensuite. Ah bah, j'ai bien changé, mon fils, hein. Il m'a pas posé une seule question sur ces lames du chaos. Très étrange. Ah ouais, putain, par contre. Compliqué, cette histoire. J'ai réussi à amener le vent ici. Mais là, franchement, il y a quoi à faire, en fait. Attendez. Ah ouais, sale le coffre. Ok. On va essayer comme ça. J'essaye des trucs. Je vous avoue que c'est assez terrible. Attendez. Oh. Je pouvais envoyer mon fils là-haut. En soi, ça change rien, c'est pas grave. Oh putain, il y va. Incroyable. Et en plus... Oh là là, nickel. Je suis un monstre. Attends, mon fils. Hein. Je suis un monstre. Maintenant, est-ce qu'on est large ? Allez, c'est parti. 10 secondes, ça passe très très vite. Mais on est très très large. Oh là 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 là. Régalez-moi. Ça, c'est une rune incroyable. Ça, c'est une rune incroyable. C'est une rune qui déchire. Ok. Attaque runique rapide. Redoutable salve de coups. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bam. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Je prends immédiatement. Vous savez quoi? Je vais même l'améliorer. Elle est tellement stylée. Incroyable. Cette salve. Et ça met de l'étourdissement maintenant. Encore plus incroyable. J'ai trop hâte de l'utiliser, les gars. Par contre, fils, la prochaine fois, tu me préviens, je t'arrache. Comment ça me gonfler toutes ces conneries. Allez, encore une nouvelle rune. Les gars, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Ok. Invocation runique, c'est pour le gamin. Et cette fois-ci, c'est des corbeaux. Ah, c'est pas mal. Dégâts et surtout étourdissement. Non, on va garder le loup. J'ai du mal, je vous avoue que pour l'instant, j'ai du mal à me détacher du loup. On verra plus tard. Allez, c'est parti, on reprend la suite de notre aventure, les amis. Ce jeu est tellement gourmand, tellement gourmand. C'est un bonheur, c'est un véritable bonheur. On fait marche arrière. On va prendre l'ascenseur, on va prendre le bateau. Direction le tombeau de Tyr. Il y avait des choses, à mon avis, très intéressantes. Et on aura assez d'XP. On a beaucoup d'XP encore. On a beaucoup d'XP. Je vous vois crier là au loin. Ne vous inquiétez pas, on va l'utiliser. Peut-être pas le moment encore. Il y aura peut-être d'autres surprises qui nous attendent. En tout cas, hop, c'est par ici. J'aimerais bien que mon fils me pose des questions sur les lames du chaos. Ça pourrait... vous voyez ce que je veux dire? Ah, je peux les améliorer d'ailleurs. Est-ce que je les ai fait? J'ai peut-être oublié de le faire. C'est pas grave, on va retrouver le nain très rapidement de toute façon. Mon fils est pas très bavard depuis qu'il est sorti d'un coma. Malgré tout ce que j'ai fait pour lui, c'est pas grave. Eh les gars, il a pas envie de parler à son père. C'est compréhensible.
Ah putain, j'ai la feinte, j'ai tellement cru que c'était là. Putain, c'est terrible. Cet ascenseur est long quand personne ne parle. C'est comme quand t'es dans un ascenseur avec des inconnus. Le bateau s'est échoué. Quelqu'un a bien appelé le serpent. Ah, bah oui, on a encore descendu. On est encore descendu, très bien. Non, okay. Toujours cassé. D'accord. Monte, je vais tirer. Donc vu que le serpent était appelé, le niveau de l'eau a encore baissé. Tu ne te sens pas mieux? Si, je crois. Je sais que tu m'as entendu parler, Afria. Tu crois que tu comprends, mais tu te trompes. Pourquoi tu ne dis rien? T'as dit que j'étais maudit. Tu me crois faible parce que je suis pas comme toi. Je sais que tu voulais pas de moi. Mais après tout ça, je pensais que tu verrais les choses autrement. Tu es loin de tout savoir, mon garçon. Peut-être. Mais je connais la vérité maintenant. La vérité. La vérité. Je suis un dieu, Atreus. Je viens d'une contrée. Voilà ! En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain. Mais en vérité, je suis né dieu. Et toi aussi, Atreus. Atreus, tu n'as rien à dire. Est-ce que je peux me changer en animal? Est-ce que tu peux te changer en animal? Non. Non, je ne crois pas, non. Je suis un dieu. Maman savait? C'était une déesse aussi? Non. C'était une mortelle, mais elle connaissait ma vraie nature. Je suis un dieu. Pourquoi tu me l'as jamais dit? J'espérais te préserver. La vie d'un dieu est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie. C'est un fardeau. Quelles sont les choses que je peux faire, alors? Je peux voler? Devenir invisible? J'ai pas l'impression d'être un dieu. Je ne connais pas la nature de tes pouvoirs. Mais nous les découvrirons avec le temps. T'es sûr que je peux pas me transformer en loup? Si tu veux essayer, je t'en prie. Enfin, les amis, ça m'a donné des frissons. Il était temps qu'ils lui disent, il était temps, putain. J'ai eu des frissons, vraiment, les gars, c'est incroyable. Alors, je serais peut-être pas fort comme mon père, mais j'aurais des capacités rien qu'à moi. Tu en as déjà, mon grand. Ton aisance avec les langages est extraordinaire à ton âge. Seul le temps nous dira quelles capacités tu vas encore développer. Alors, tu le sais depuis le début? Bien sûr, petit. Des dieux, j'en connais quelques-uns, tu sais. Moi aussi, apparemment. Je me demande qui d'autre savait que j'étais un dieu. Freya, c'est sûr. Brock et Sindri. Ils n'ont pas à le savoir. Oh, Baldur, il est au courant. C'est pour ça qu'il nous cherche. Tu me connaissais avant. Je l'ai vu pour la première fois le jour des funérailles de ta mère. Je te le jure. Hé hey. Rien ne nous oblige à aller au tombeau de Tyr, pas vrai? Après tout, on est des dieux. On peut faire tout ce qu'on veut, non? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire, maintenant? Je vais te montrer. On essaie encore une fois, sans être interrompu. Ok, on est parti. Direction la quête principale. Je ferai les quêtes secondaires, je pense, mais plus quand on sera vers la fin du jeu, parce que là, je sais que vous voulez vraiment du scénario. Mais clairement, je pense que ça mérite qu'on s'attarde un peu sur les quêtes secondaires, qu'on apprend plus
sur le background et ça pourrait être vraiment cool. Utilisez le masque de sable. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Lila. La mort elle-même j'engloutis pour au matin recréer la vie. Oh, celle-ci me plaît. Je me demande si elle n'est pas de moi. Ok. Très bien. Ça ne change rien. Est-ce que c'est la réponse ? C'est écrit terre. Engloutis la mort, recrée la vie. Vas-y. Yurf. J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alfheim. Je m'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille en tirer. Tu n'as pas de remords à avoir. Les elfes nous ont entraînés dans leur guerre. Non, je comprends maintenant. On avait des affaires de dieu à régler et ils nous ralentissaient avec leurs broutilles. Vraiment ? Tu ne vas rien lui dire ? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Oula, oula, ne ouais, te laisse pas submerger par la confiance, mon garçon. Ton pouvoir implique un choix. Tu peux soit servir tes propres intérêts, soit mettre ta divinité au service des autres, comme le faisait Tyr. Les gens l'aimaient vraiment, hein ? Oui. C'était un dieu de la guerre. Mais il défendait la paix. Il avait la réputation d'être brave et juste. Et il utilisait son pouvoir et son savoir pour mettre fin aux guerres et non les déclencher. Alors certains dieux sont bons. C'est extrêmement rare, mais pas impossible. Moment d'histoire, les amis. Celui-ci mentionne des endroits dont j'ai jamais entendu parler. Tyr était vraiment un grand voyageur. Tyr pensait que c'était par l'esprit et non la force qu'on empêchait la guerre et la destruction. Et il savait que rencontrer différentes cultures lui donnerait une ouverture qu'il ne trouverait pas en restant parmi les siens. Alors qu'Odin a toujours gardé jalousement son savoir, Tyr n'hésitait pas à partager ses enseignements et sa sagesse. C'est pourquoi les mortels l'adoraient. En témoignage de cet amour, il lui offrait des cadeaux du monde entier. C'est sympa cette descente comme ça, où tu l'apprends. Qu'est-ce qui est arrivé à Tyr ? Odin a fini par le considérer comme une menace pour son autorité. Il soupçonnait Tyr de collaborer avec les géants plutôt que d'aider les As à dérober leurs secrets. Il m'a d'ailleurs accusé de la même chose. Mais dans le cas de Tyr, je pense que c'était vrai. Tu crois que Tyr aidait les géants ? Oui. Il se sentait responsable des souffrances qu'Odin leur infligeait. Je le suspecte de les avoir aidés à couvrir leurs traces. La tour de Jotunheim manquante ? Exact. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais ça ne peut être que l'œuvre de Tyr et des géants. Récupérer la rune noire. Je pense que quand on aura récupéré cette rune, on pourra faire les quêtes secondaires. Oui, cette rune noire, tête. Je ne sais pas, je ne suis jamais ici. Ah, d'accord, ok, qu'est-ce que c'est ? Ça doit être ça ! Zone découverte ! Tombeau de Tyr, incroyable ! Qu'est-ce qui va se passer là-dedans ? Ah oui, un bel anneau. Ah, très bel anneau. Évidemment. Ok, encore un très bel anneau aussi. C'est magnifique, c'est magnifique. Je pensais pas que ce serait aussi ça. Les effets de lumière, incroyable. Mais c'est pas vrai. On t'a pas dit. Quand tu étais malade, nous sommes allés à Helheim pour trouver un... Ouais, mais je te fous ça où ? C'est vrai ? Une expérience traumatisante, d'ailleurs. Mais ton père a appris un nouveau tour, avec un peu d'aide de Brock. Brock était là aussi ? Ok, je te fous ça là. Mais... On reparlera de ça plus tard. Alors là, voilà, c'est ça, ça fait un peu peur. Oh, lui va se réveiller, lui. Info sûre. Je pense que mon gamin va prendre la grosse tête de ouf. Ok, on a quelque chose ici aussi, tout en haut. Tellement de choses à faire. Pas sûr que... Non, c'est pas la bonne direction. C'est pas la bonne direction. J'ai confiance, ça peut pas être la bonne direction. Je pense qu'il faut mettre le vent avant. Puis on verra. Là aussi, hein, lui, il y a moyen qu'il se réveille aussi très rapidement. Ok. Allez, on cavale nos longs morts. On va le foutre à côté.
ça c'est fait. Qui active une pièce, très bien. Qu'est-ce que c'est? Vas-y fils. Ah, un skin du de ma contrée natale. J'en avais un aussi à l'époque. Tu devrais le garder, mon garçon. Il a raison, prends-le. On aura peut-être besoin d'étaler du beurre pendant le voyage. Voilà pourquoi personne ne t'aime. Elle était pas mal la vanne. Franchement, chapeau. Elle était grave. Petit couteau là, frère. En vrai, il servait à air. Bien joué, Krakra. T'as été un monstre. On a rien pu faire. Clairement le meilleur. Ah. C'est pas très engageant. Regarde, il y a des passages étroits de chaque côté. Parfait. Mes pères croient pas passer. Vas-y, je vais me débrouiller. Ouais, mais attends, je veux savoir ce qu'il y a en haut alors finalement. Ok, vas-y mon fils, t'inquiète. Je vais me débrouiller. Là, il est temps de savoir ce qu'il y a là-haut. Ça peut être fort intéressant. Parce qu'on me dit aussi de rester ici. Oh, mais c'est terrible. Ouais, mais les mecs, il y a trop de... Après, depuis le début du jeu, ils donnent l'occasion de revenir. Donc c'est pas le problème, c'est jamais perdu dans ce God of War, mais quand même. Ouais, les gars. On peut... Ah, si, c'est bon. Ok. Aucun souci. Je pense que c'est là le chemin secondaire. Très bien, nous voici au premier étage. On a des runes, impeccable. Ça, j'achète. Viens mon fils. Et celle-ci? La pensée est plus rapide que le vent. Une énigme à résoudre avec notre tête plutôt qu'avec nos pieds. Voilà qui m'arrange. Ok. Une énigme à résoudre avec le vent. Pas de souci. Là, on sait qu'il y a du vent. Ça, je vais le jeter. On va... Pour quelqu'un de si apprécié, Tyr était vraiment paranoïaque. Oui, c'était à cause d'Odin. Et c'était justifié. Pas mal de choses à faire, à mon avis. Si vous voulez voir ce que j'en pense, on a quelque chose à faire par ici. Ok. C'est magnifique, hein. Effet de lumière impeccable, incroyable. Là, on a une porte. Et là, on a le vent. Est-ce qu'il faudrait pas juste... Je pense qu'il faut le remettre en haut. Voilà. On va le mettre là. On a re-récupéré un vent. Ça, c'est un bouclier. Il faut vraiment que j'arrive à récupérer ce vent à l'intérieur. Et il faut que je me débarrasse de celui-ci. Parce que dedans, il y a un sacré bordel. Très bien. Bon, j'ai réussi à amener le vent sur la grande... Comment appeler ça? Sur la grande bague. Il y a clairement quelque chose à faire ici. Maintenant, où on peut mettre ce vent? Est-ce que vous croyez que le vent peut redonner vie, par exemple? Il n'y en a plus le poil 2, ça peut le faire, sur un malentendu. Ok, on verra plus tard. Silence, tête. C'était chaud, hein. C'était grave chaud. Ah ouais. Vous déconnez, les gars. Regarde ça. Thank you.
toi. Assez joué. N'oublie pas pourquoi nous sommes ici. D'accord. Ça vient d'une vaste contrée désertique très lointaine. Est-ce qu'il y a des dieux là-bas? Et comment? Ils sont très, très nombreux. Mauvais. J'ai bien peur que ça ne soit pas aussi simple. Et on va s'arrêter là. Dans la vie, rien n'est jamais simple. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, j'espère. Cette vidéo vous a plu, incroyable. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure sur God of War. Portez-vous bien, ciao ciao.